y en a un qui fait du ranch en priorité, j'ai Dark Pym. On va mettre Zalidan. Bah écoute, ça va bien, merci. Content de te voir sur le chat. Toujours très content de voir des nouvelles têtes qui reviennent. C'est cool. Ok, bon, ils ont pas envie de l'enlever, lui. C'est peut-être parce que les PQ passent pas là-dedans. Et si. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter le fish release. Et puis on verra bien. Du coup, pas besoin de geyser pour le moment. Si, j'en exploite quelques-uns, mais pas tous. Pauvre poisson. Bah écoute, j'essaye de le faire enlever, mais... il a pas envie. Ils ont pas envie de l'enlever, j'ai plus de plastique. Ouais, j'ai plus de plastique. Je sais même pas qu'il y avait une liste des ranks. C'est quoi la liste des ranks? Je connais même pas le lien que t'as généré là. Oh, Akiak a plus parlé, puis Michou, puis Pierre Mousse. Ah bah mes trois modos. Après c'est Virtuose et Nilea. Nice. Putain, je connaissais pas ce lien. Nous Terra Corpora, merci beaucoup pour le follow, ça fait extrêmement plaisir. Bienvenue parmi nous. Merci à toi, merci beaucoup. Bon, le poisson, on va l'achever. Je vais finir ça. Quoique lui plus l'autre. Non, ils étaient plusieurs. Merci beaucoup. J'espère que ce nouveau son vous plaît sur les. Sur les follow. Moi, je trouve ça extrêmement marrant. Enfin, c'est du Kaamelott, quoi. C'est du Kaamelott, donc... ok, ça, c'est bon. On va virer ça. Je sais pas pourquoi j'ai viré ça. Et merci beaucoup, Isoka, pour ton hébergement automatique. Bienvenue à vous, les viewers d'Isoka. Bienvenue sur le live. On est en train de continuer notre base... tout doucement. Et on est en train de préparer des éléments de stockage scalable pour du stockage automatisé. Donc bienvenue à vous. Ok, construct, building, voilà, et voilà. Pour l'électrique grid, ouais, j'ai plus que 5000 de gold. J'étais chez Az. Qui est Az? C'est peut-être un diminutif, et je ne connais point. Hop. Et ici, on va mettre un convoyeur réceptacle. Avec un convoyeur compactor. Ça, c'est fait. Donc là, on n'a plus qu'à
Non, j'avais pas dit en granit ça. J'avais dit pour laisser passer. Voilà. Ça. Et là, je dégage tout ça. Et en gros, l'idée là, c'est que je fais rentrer ici en priorité 1 les choses. Je les fais ressortir en priorité 3. Et je les stocke en prio 2. Voilà, c'est tout simple. Il prend là, il met là s'il peut. Pourquoi tu détruis les tuiles? Parce que en fait j'en ai pas besoin et elles vont me bloquer le passage du bras mécanisé en fait. Enfin, je sais pas comment il est traduit en français. Mais l'auto-sweeper en fait il va être bloqué. Donc je mets des échelles qui ne le bloquent pas et qui me permettent à mes petits gars d'y aller. Et par exemple, ici, je vais ranger en gros minéral tout mon igneous rock, par exemple. Ouais, ça me fait une sacrée capacité de stockage. Avant d'avoir besoin de le sortir. Donc voilà. Ça, on est bien. Il est déjà minuit et demi. Purée. On vire toute cette eau là. On va pouvoir m'en dégager pas mal. Après, plus on va avancer, plus ça va. Ça va être dégageable, mais ça va me prendre pas mal de temps. L'oxygène, c'est pas mal. Ok. C'est ridicule, mais juste ça. Les quatre là. Les 4 gaz naturel générateurs et j'en ai là 2 qui tournent pas en plus. Ça tourne que sur ça. Juste les 4 là, ça fait tourner tout le. Ça fait tourner tout, ça me fait tourner ça. Ça a bien changé, Oni. Tu joues à quel moment Tu jouais à quel moment, New Terra? Parce que moi, j'ai commencé il y a très longtemps. Ah si, si, ça tourne sur ce geyser là. En fait, j'ai capturé 3 geysers. Lui, lui et lui. Pour l'instant. Je tourne que sur ces 3 geysers là. Là je suis stable, là j'ai 63 cases par case de flotte. Là j'en ai 18 par case. Ça c'est mon stérilisateur qui tourne pas. La thermale, ouais j'ai commencé à la thermale juste avant. Je sais plus si j'ai commencé à la thermale ou celle d'avant. Mais oui, ça a bien changé. Ça a bien changé. On a connu une upgrade aussi dure que la thermale qui s'appelait l'outbreak. Celle qui mettait en place les maladies. Et les germes, quelle bonne idée. Ok, je vais pouvoir commencer à évacuer tout ça. Je sais pas si ça fond ou si c'est le... La salle des maladies était aussi dure que la thermale. Après, celle-là, elle a été difficile à la preview. Et puis, ils ont baissé la difficulté lors de la mise en release. Un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire. Un peu tout le temps le même scénario.
C'est un peu, faut que j'arrête de nettoyer ça, je perds trop de temps. Ça va pas bien aller si je remets pas ça. Ouais, l'oxygène presque partout. Le retour des dalles isolées, oui, parce que... En fait, il semblerait que les dalles normales, même en abyssalite, ne soient plus 100% isolantes. Donc, retour des dalles isolées, etc. Les tuyaux isolés aussi, exactement. Le retour des tuyaux isolés, alors là, j'en ai pas beaucoup. Mais là, vu que j'ai de l'eau chaude là-dedans, pour éviter de chauffer ma base, tuyaux isolés. Donc ouais, ils ont remis un peu de difficulté là-dessus. Après, l'avantage c'est que cherche mes mots. Oui, ça fonctionne très bien. Après, je trouve plus mon mot. J'ai un mot en tête et je l'ai plus. Enfin, je l'ai plus en tête justement. J'en baille. Bah, je sais plus. Oui, l'abyssalite, en fait, il y a un équivalent qui s'appelle la céramique qui est craftable à l'infini. Donc ça compense un peu, on va dire. Ça compense un peu. Je fais des formes bizarres. Puis là ça va couler. Puis là ça tombe. Ouais, je m'occupe de toute cette flotte dégueu. Parce que la céramique, en fait, elle se craft dans cette machine qui utilise de la clay et du charbon. Le charbon est infini par les hatches et la clay est infinie par le sable cosmique et les choses que tu... En fait, là-dedans, ça donne de la clay et des odorizers. Et tu peux mettre du sable cosmique dedans. Et puis, voilà. Donc le sable cosmique qui vient des pluies de météorites que je peux pas vous montrer parce que je suis pas encore allé à la surface. Donc ça vous donne du sable infini. L'oxygène pollué, il y a des geysers oxygène pollué, on peut en fabriquer avec des morbes, on peut générer des morbes, etc. Donc oxygène pollué égale clé infini avec le sable infini. Et le charbon, il est infini via les hatches. D'ailleurs, j'ai pas checké, mais j'en ai plus. Les hatches, voilà. Est-ce que tu veux rajouter le nom des viewers? Le nom des viewers, oui, il y est. C'est pour les personnes qui sont soit sub Twitch, soit donateur, soit cheers, soit les personnes qui m'aident en hostant mes lives avec un certain nombre de viewers. C'est mon seul moyen de récompenser ces gens-là, donc désolé pour ceux qui sont followers. Mais voilà, le nom des viewers, il est mis pour les cheers, etc. Je vais rajouter Sweep Only, parce que sinon ça va être la merde, ils vont passer leur temps à faire ça.
Les helpers. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, les gens qui participent. Faire un tour de ma base. Je viens de faire. Je vais devoir tout refaire. RIP. Ça arrive. Ça arrive. J'ai un sacré merdier là tout autour. Bon, ma base est bien protégée. Mais il y a un sacré merdier tout autour. Si je calcule bien. Mur. 1, 2, 3. Échelle. 1, 2, 3, 4. Mur. Échelle. Mur. Fond. 1, 2, 3. Échelle 1, 2, 3, 4. Mur, échelle, mur, fond 1, 3. Savoir où je tombe pour faire un centre d'éclatement. 1, 2, 3, 4. Mur, échelle, fond, fond 1, 2, 3. Échelle 1, 2, 3, 4. 3, le fond 1, 2, 3. Fond. Et puis là, les lits paraissent géniaux. Ouais, le lit a l'air bien, ouais. Un goût là. Ah, ils ont enfin mis la portée réelle pour dire que si t'es là. Ah, ça c'est nice. Au fait, il faudra mettre des bunkers tuiles pour les dangers des météores. Oui, exactement. Exactement. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux en mettre 6. Vu que là, ça fait ça. Vu que lui c'est plus loin. Je peux le faire partir. Voilà. J'ai une autre idée. 1, 2, 3.
Je suis en train de me gratter la tête là. Je suis en train de me gratter la tête. Parce que. On peut faire 4. On peut faire 4. 1, 2, 3. Le quatrième là. Voilà. Ça c'est bon. Après. Là j'en ai fait 4. Les 4 premiers permet de faire un centre d'éclatement ici. Faire un truc. Un peu plus fin. J'adore le bruit. On peut faire un truc. Oui, mais le plus loin, c'est lui. Comme ça. D'avoir des trucs un peu comme ça. Ça me semble pas mal. Pour le centre d'éclatement. Encore me coûter une blinde en énergie. Ça. J'arrête d'avoir des idées comme ça. J'ai déjà dit la dernière fois, faut que j'arrête. L'oxygène pollué. Non, c'est pas très grave. Donc là, dans l'idée. On lui met ça aussi. On fait ça. Ça aussi et ça là. Hop. Ça c'est priorité 1. Voilà. Peu d'abyssalite. On a 4 millions 6 de bouffe. On a de quoi voir venir très largement.